Alors, salut tout le monde, je suis à bord du traversier Camille Marcoux. On quitte la Côte-Nord, direction pour Matane, de l'autre côté du fleuve. L'idée, là, qu'il faut occuper le territoire, qu'il faut l'habiter, qu'il faut le développer, c'est une idée forte à laquelle je crois. J'y croyais comme journaliste, j'y crois encore plus que jamais comme homme politique. Puis c'est entre autres pour ça que j'ai le goût de me battre. Alors voilà, vous voyez qu'on commence à perdre la lumière. On va se reparler demain matin, on rencontre les militants de Matane, puis on prend la route par la suite pour la Gaspésie. Alors, on est à bord du traversier Camille Marcoux. On essaie de rentrer au quai de Matane, qui est juste derrière nous. Alors, il faut que le traversier tourne comme ça. Comprenez-vous, il faut reculer, parce qu'on sort par l'arrière. Le problème, c'est que le vent est tellement fort, le vent du large est tellement fort, puis il y a beaucoup de place aussi, je ne sais pas si vous la voyez. Le capitaine n'est pas capable de le faire pivoter. Alors là, ce qu'il va faire, écoutez bien ça, il va... Enfin, il l'a déjà fait. Il laisse tomber l'ancre qui retient le bateau, qui va lui permettre de le faire pivoter sur lui-même, de le reculer jusqu'au quai là-bas où on va pouvoir, on l'espère, débarquer. Sinon, il faut retourner à Bécomo. On ne veut pas ça. On souhaite bonne chance. Mais on a une pensée positive pour le valeureux capitaine. Il paraît que c'est un gars très un bon manœuvre. Alors, il fait confiance. Salut! Alors, deuxième partie, tout le monde. Le bateau qui s'éloigne de nous, c'est l'Amundsen. Un brise-glace, un des plus gros brise-glace, en fait, qui essaye de donner de l'espace au traversier. Traversier sur lequel on se trouve. Parce que le problème, c'est vraiment la pression de la glace qui empêche le traversier de reculer. On nous dit que la manœuvre avec l'ancre n'a pas fonctionné parce que la pression de la glace, justement, est trop forte. Alors, l'Amundsen est venu tout près de nous pour nous dégager de l'espace, pour ouvrir un chemin d'une certaine façon, enlever de la pression sur le traversier, Camille Marcoux, pour qu'on puisse finalement reculer puis débarquer de ce bateau-là, là, de ce traversier-là. Alors, on vous tient au courant de nos péripéties. Thank you.